Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog voyage. Ça fait très très longtemps, le dernier était en avril, je crois. Et donc là, on part. Attention, on part au Canada avec mes parents et ma soeur, donc ça va être trop trop bien. Je vous emmène avec nous, je vais pas trop blablater, je fais une transition avion et puis voilà, j'ai trop hâte. Attendez, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai été un peu rapide dans ma transition. J'ai deux choses à vous dire d'abord. Déjà, un, je suis blonde. Voilà, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous préfériez en blonde ou en blonde, mais moi j'aime bien. Et la deuxième chose, il faut absolument que je vous montre les valises que j'ai eues pour partir au Canada. Elles sont trop belles. J'ai eu ça à Noël, je vous montre ça tout de suite. Regardez comment elles sont trop belles. Donc, du coup, j'ai eu le petit sac à dos Captain Hanson et la valise Calvin qui va avec et je suis trop fan. Donc voilà, je suis bien équipée pour 10 jours. Et oui, toutes mes affaires ont réussi à passer dans cette valise. Bon, Canada. Et on va où là tout de suite? Là, on va à l'aéroport. Oui, tu sais que tu seras dans le vlog comme ça, en gros plan comme ça. Papa, dis bonjour au vlog. Dis bonjour au vlog, dis bonjour au vlog. Bonjour au vlog. Oui. Parce que moi, je serai à côté de toi. Oui. Comment il neige? Oh, ça, il y a une tempête de neige, monseigneur! Ah, mais wesh! Content d'être arrivé? Oui, trop content! Content d'être arrivé, papa? Oui! Oui. Coucou le vlog! Non, mais j'en ai marre! Aujourd'hui, on va à Montréal visiter et après on va au lac Morenci dans une auberge pendant quelques jours. Ça va être bien. On est chez le roi du smoked meat et on va goûter un sandwich à la viande et c'est trop bien. Déjà juste, est-ce qu'on peut parler de la taille des cornichons? J'ai même mon doigt à côté. Bon, je me suis réveillée trop tard mais c'était ça. Du pain avec du bœuf, c'est du bœuf et pas du porc. Avec de la moutarde. Papa, ton avis? 2 sur 10. Maman? 1 sur 10. 4. 3. 3 sur 10. Vraiment pas bon. Parce qu'il y a des frites, ouais. Regardez comment notre auberge est trop mignonne. J'ai envie de mourir tellement c'est mignon. Regardez, vous êtes ici à la 11 et nous on est à la 12.
On est arrivé dans notre petite auberge. C'est trop beau. Genre on dirait la Laponie. Enfin, ça me rappelle des souvenirs de ouf. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Ouais. Déjà, la vue de notre chalet est absolument incroyable. Après, le chalet, c'est un petit truc un peu vieillot, mais genre le mood est tellement cocooning. Et du coup, on a fait des petites emplettes pour manger parce qu'on voulait tester des trucs. Donc, on a pris des espèces de pompottes, on a pris des jus de pommes, des Pringles. Ça, c'est une limonade à la pêche. Ça, c'est du caramel au beurre salé chocolat. Et ça, c'est des Kit Kats aux cookies. Vous voulez absolument tester. T'es contente? Oui, c'est trop. Déjà, là, il y a trop de trucs que j'ai envie de manger parce que j'ai faim. Et ensuite, cette auberge. Là, ici. Genre là, dans cette neige, là, dans ce truc de neige. Attends. Le papa il vient de mettre le chauffage. Là, ici, là. Je vais sauter. Oh my God. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit. Mais l'épaisseur de neige. L'épaisseur de neige. Coucou le vlog. Du coup là, on va aller manger. À partir de demain, on a nos activités. Donc demain, on fait du chien de traîneau. Ils disent du traîneau à chien ici d'ailleurs. Donc ça va être très très bien. Demain après-midi, il me semble qu'on a un bowling d'extérieur. Donc ça va être cool aussi. On va faire du lancer de hache. Des petites choses comme ça. Et demain soir, on fait une randonnée dans la forêt. C'est censé être à raquette, mais comme on n'aime pas trop la raquette, on va faire à pied normal. Oula. Et voilà. Enfin bref, vous allez tout voir de toute façon. Et alors moi j'ai appris, mais je suis peut-être un peu bête, mais je pensais qu'on allait pouvoir voir les aurores boréales, parce que dans ma tête Canada égale aurore boréale. Sauf qu'en fait on n'est pas du tout assez haut au niveau du cercle polaire pour en apercevoir, donc on n'en verra pas. Tout bon. Mais Anna, ma meilleure copine qui est actuellement en Norvège, a eu des aurores boréales, donc je suis très contente pour elle. Et voilà, je les vivrai par procuration. Il fait super froid. Il fait super froid et regardez l'épaisseur de neige. Il y en a beaucoup. Non. Oh yes. Bonjour le vlog. Gros blanc. On va aller prendre le petit déjeuner. Je l'ai pas cassé. Et bienvenue dans cette partie 2 de la vidéo exploration de la neige. Pour commencer, on va partir par là pour découvrir. Hop. Les amis, je crois que Mycorn est fatigué. Mycorn ne trouve plus l'inspiration pour continuer. Mycorn fait un burn-out. J'en peux plus les gars, j'ai plus d'inspiration. C'est fini l'aventure. C'est fini pour moi aujourd'hui, les amis. Papa, on va où? On va où? Dans le camion. Dans le gros camion. Coucou les loulous. Moi aussi.
vient de rentrer du chien de traîneau, c'était trop bien. T'as bien aimé. C'était génial, c'était trop cool. Ouais, les chiens sont beaucoup mieux traités, je trouve, qu'en Laponie. Genre, ils ont vraiment des parcs et tout. Enfin, ils sont mis en fonction de leurs affinités et tout, c'est super bien. Par contre, ils sont beaucoup moins forts et rapides que ceux de la Laponie. Mais le terrain n'est pas le même non plus. Là, c'était beaucoup en montée, en descente. C'était beaucoup en montée, en descente. C'était pas du tout droit et plat comme en Laponie. Mais c'était quand même bien. Moi, j'ai des gâteaux, vraiment... je crois que j'ai des trucs dans les dents. Oui. t'inquiète, ça va pas se voir. Mais bref, du coup, c'était vraiment trop bien. On a trop adoré. Et là, du coup, on devait aller faire un bowling d'extérieur. Mais on est fatigués, donc je pense qu'on va aller à la piscine plutôt. Et ça va être aussi très, très bien. Mais voilà, vous avez dû voir les petites images du chien de traîneau. C'est vraiment une activité de ouf. Si vous avez l'occasion de la faire, c'est incroyable à faire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quoi ? Tu veux me cacher ? Ok. J'espère que vous allez bien, nous ça va super. Hier on n'a pas fait grand chose, on a juste été dans un petit tipi faire une espèce de feu de camp avec des histoires du Canada et ça c'était cool. Et du coup aujourd'hui on va au Mont Saint-Sauveur, c'est une montagne où il y a des descentes de ski, du bobsleigh, du crazy carpet, enfin plein de trucs en gros de glisse. Il y a 60 mètres de descente de luge à faire, donc ça va être cool. Et je me suis maquillée, pimpée et tout, parce qu'en gros on est avec un groupe de gens, et ils sont trop sympas, genre vraiment il y a une ambiance de malade. Sauf que hier tout le monde m'a dit qu'ils pensaient que j'avais 16 ans. J'ai 21 ans. Donc s'il vous plaît, en commentaire, dites-moi quel âge vous me donnez. Genre, je sais que quand je suis démaquillée, on dirait que je suis plus jeune, mais quand même 16 ans, je l'ai un peu mal pris. Donc là, je me suis maquillée en mode, je veux qu'on croie que j'ai 35 ans carrément. Donc voilà, dites-moi quel âge vous pensez que j'ai et essayez d'être pas trop méchant s'il vous plaît. Enfin bref, je vous emmène avec nous. On va faire de la luge. We'll be right back.
17h. Foutu de nous. Ton avis? Ah oui, c'est pas. C'est... Bah, je mange des frites avec du fromage dessus, mais genre. Je sais pas si c'est du fromage, il est pas fondu. Il n'y a pas d'intérêt. C'est un goût de bruyère avec des frites, genre. Elles sont de la saveur. Oh, c'est les frites de notre enfance. Oui, carrément. Ça me fait bon, je filme la partie suivante du vlog. Donc là, on vient de rentrer à Montréal avant de... enfin, après avoir été à Québec. Donc Québec, c'était trop beau, mais du coup, on est un peu frustrés parce qu'on a dû partir assez rapidement. Parce qu'en gros, on était avec un groupe. Enfin, c'est un voyage organisé. Donc notre groupe est absolument exceptionnel. Mais du coup, il y en a qui partaient aujourd'hui à New York. Donc on a dû les déposer à l'aéroport de Montréal. Et nous, on avait pris l'extension 3 jours à Montréal sans savoir que Montréal était moins ouf que Québec. Donc on est un peu frustrés, mais ça va. Et je voulais vous montrer, je suis allée faire des petites boutiques à Montréal et je trouve ceci. Et là je me dis trop bien, un vinyle de Dirty Dancing, parce que de la façon dont c'était emballé, on aurait dit un vinyle. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un vinyle, c'est un calendrier. Donc il y a une part de moi qui est très triste parce que je pensais avoir trouvé un super beau vinyle de Dirty Dancing à 11€ et une partie de moi qui est heureuse parce que j'ai un calendrier de Dirty Dancing. Donc voilà. Et là, on va se reposer. Je vais essayer de regarder le Prime de la Star Academy parce que... Et ce soir, on va essayer de manger un truc sain. Ça va être cool. Et là, à la douche, Alink.
Les arbres tombent. Oh, oh la vache. C'est une invasion. Mais il y en a combien? Ah ouais, le... Zaza, regarde. Tu le tires. Si, ça marche. Tends-lui la main. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Et pour la finir, je voulais vous laisser avec quelques images de notre voyage. Même si le Canada ne correspondait pas vraiment à l'idée que nous en avions, parce que le pays est bien plus américanisé que ce que nous pensions, nous avons tout de même passé une semaine incroyable. Et tout ça, c'est grâce au groupe d'inconnus avec qui nous sommes partis. Ils ont rendu cette semaine inoubliable, alors si vous passez par là, merci à Marie, Michel, Aline, Thibault et les enfants, merci à Justine, Dylan, Clémence, Steven, Tiffany, Clément, Geneviève, Pascal, Oscar et David. Wow, ça fait beaucoup de prénoms à retenir. Aucun de nous n'oubliera l'ambiance exceptionnelle de ce voyage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se dit à bientôt pour une prochaine.